bien, salut à tous les amis, c'est Paradox, on se retrouve pour notre nouvel épisode de notre aventure sur Skylander Spyro Adventure. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les amis, on est avec Strielf. J'ai pourvu de suite prendre Strielf, voilà, il n'y a pas d'argument. La dernière fois on avait eu la source de la tech, la source du tech. Et là on va partir du coup direction juste ici. Pour aller, a priori, partir en direction peut-être de la source des morts vivants. En tout cas, il nous faut un crâne de morts vivants. Donc, on va voir ça. On va démarrer tout de suite. Ce 15, 15e niveau, peut-être, je sais plus. 15, 16, 15, je crois, 14. J'ai un doute. On va voir ça. C'est parti. Vu que tu m'as... C'est parti. Oui, je vous ai passé le dialogue. C'est vrai qu'on l'avait vu à la fin du dernier épisode. Et donc, on est parti pour... Après, bah du coup, le monde des morts vivants, maintenant. On a fait... Vent, tech, air... non, ça ne me dit rien. Et on a le chapitre 15. Masque en os, je sais où il est. Enfin, je crois, quand on y pense, c'est idiot d'avoir un masque en os dans le monde souterrain. Qui peut bien porter ça? On est des squelettes. Ce que c'est idiot. Ok, tout ira bien, du moment qu'on ne rencontre pas d'araignée. Ah, désolé, je dois te laisser. Pas de soucis. De soucis. Ok, on est allé. Du coup, on est parti. C'était sûr. On va prendre notre ami Chop Chop. Et on... Ok, on va se battre contre des araignées. Des araignées, pardon. Tac. Je vous rappelle que sur la plupart de nos persos, de nos Skylanders, pardon, pour faire la même chose, on a maintenant la deuxième phase des améliorations à faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Donc c'est pour ça que. On a les deuxièmes phases des améliorations. Donc on a encore du boulot niveau amélioration. Je sais pas si on les fera, si on arrivera à toutes les faire. On verra. Mais en tout cas, on a une tablette. Jeunesse, j'étais humble serviteur chez le maître de portail Natibum Po, où j'astiquais les casseroles de sa cuisine. Cela jusqu'à ce que, à l'âge de 8 ans, je me fasse remarquer en téléportant accidentellement Natibum Po dans la mer crasseuse, avec son propre portail. Bravo! C'est pas très malin ça! C'est pas très très malin. Ok, on a ouvert là, on va aller voir après, attendez. Non, pas attendez, il y a ça. Il y a trop de chemin partout les gens. Ok, donc ça c'est un dernier, ok. Wow! Calmez-vous. Mais calmez-vous! Ok. Tac. Ok, là on a accès à une clé. Là il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien. Ok. Ok, du coup c'est bien par là qu'il faut qu'on aille. Ok, il nous faut trois clés.
Ok, ça fait la gueule du poison, ok. Boum. C'est que là. Ok, donc lui il va me chipper. Dégage. Parfait. Nouveau niveau pour ce chop, niveau 5. Ok, allô. Barre-toi. Oh! Ok, regardez, c'est la gemme de Spyro, ça c'est cool. C'est le talisman de Spyro. Et donc de Dark Spyro, je pense. Tac. Ça dégage. Le talisman du Spyro, parfait. Rad Motel. C'est quoi? Donc voilà, Spyro sous ses vraies couleurs. Ok, bah ça nous dit rien sur la capacité qu'on a débloquée. Ou à moins que j'ai pas réussi à la voir, c'est possible aussi. Oh, mais attendez, comment est-ce que j'ai échappé tout ça? Comment est-ce que j'ai échappé tout ça? Qu'on a ça pour éventuellement faire. Ah oui, là il y a que des bombes. On va continuer à avancer, on verra bien. Ok, là on a un passage pour. Pour l'escalander de la mort. Enfin, pour l'escalander mort-vivant. À faire. Quoi? Ok, il y en a plus. Je sais pas combien il y en a. Mais il y en a pas que deux. Ok. Ah, déjà, là, il y a quoi? Là, il y en a un autre, ok. Ok. Si je fais ça. Ok.
Plus de coups critiques, pourquoi pas. Tac. Et donc du coup on peut partir, ok. Tac, oula. Ok. Toi, tu dégages. Raté. Bah. Ok. Ici, y a quoi? Tac. Wow. Ok. Bonjour madame. Bonjour madame, vous êtes bien grosse. Ouais mais de là c'est pareil, il me faut des bombes, tous les me faut des bombes. Ah mais attendez. Attendez. Eh hey, j'ai des bombes là. Tac, déjà on va pouvoir couper ça. Boum. Alors, là, on a dit qu'il nous fallait une bombe. Un nouveau coffre, ok. Tac. Les Skylanders liés au feu sont plus puissants ici. Ouais, ça suit ou pas? Les Skylanders liés à la mort sont plus puissants ici. Parce que, attendez, juste à titre d'info, on a encore un passage par là. Comment on a ça aussi?
Ah, il n'y a pas de... Il y a une tuite là ou pas? Non, j'ai pas l'impression que ça suit en fait. Ok. Attendez. Bon. Pourquoi tout ça? Pourquoi il y a tout ça? On prend? Je prends? Ok, donc il faut un truc là. Tac. Ok. Là, 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 là. Et là, on le met là. Ok. Parfait. Ok, et donc... Non, ok. Là, il y a quoi? On y arrive du coup au trésor. Parfait. Ça, c'est cool. Ok. C'est bien, on va bien pouvoir l'améliorer, notre petit shop-shop. Et du coup, là maintenant, on va jouer un petit peu... On va jouer avec Inutor. On va jouer avec Inutor. Aïe. Les Skylanders liés au feu sont plus puissants ici. Du coup, voyons voir ce que ça donne. Ok. Voilà. Ok, là il y a un coffre. Très bien qu'on arrive à le choper. Il y a quoi là? Ok, ça, ça a l'air d'être une suite. Toi, barre-toi. Ok, là on a... Un mur à faire péter. Aïe. Et là aussi, ok. Touk.
Où est-il là? Ok. Tac. Ok, là c'est ça pété, c'est parfait. Ça dégage. On continue. Ok, en tout cas on a toutes les clés. Il y avait un autre mur à casser. Là. Ça paraît loin. Le mur à casser paraît loin. Ça passe. Parfait! Et on a obtenu tous les coffres. C'est cool ça aussi. Ok. Dark Spyro. Va vraiment falloir qu'on augmente les dégâts de Spyro. Aïe 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 aïe. Ok, ah et puis on a le Matronos derrière, je vois. Niveau 7 pour Spyro. Ok, bon. Ça, c'est fait. Impressionnant! Tu as récupéré le masque en os! Pas mal pour un vivant. Tu sens bizarre, mais je t'aime bien quand même. Désolé pour tout à l'heure. C'est juste que les araignées aiment bien voler mes os. C'est une longue histoire. D'accord. Et on a tous les collectibles. Parfait! Excellent, tu as rapporté le...
noce du roi philosophe Mortalanis, premier seigneur des morts vivants. Le masque en os convient parfaitement. À présent, il nous faut la source des morts vivants éternels. Super. Eh, le joufflu, si tu cherches une source des morts vivants éternels, je connais un type. Ce n'est pas une source des morts vivants éternels qu'on cherche, mais la source des morts vivants éternels. Oui, évidemment, je le savais. Il n'y en a pas des milliers, pas vrai? Génial. Allons la trouver. Oula! Une petite minute! Ça ne va pas être une promenade de santé. Il y a des ghouls dans la citadelle de l'effroi. Et les ghouls, ça ne mange pas de goulash, hein? On va avoir besoin d'un truc précis. La clé squelette. Je vois. Tu sais où la trouver? Eh bien, oui. Des zombies voleurs l'ont empruntée et ne l'ont jamais rendue. C'est logique, je sais. Mais si on se serre les coudes, au sens figuré, bien sûr, on devrait pouvoir la récupérer. Qu'est-ce que tu en dis? On verra ça la prochaine fois. Nos, alors. Mais on n'en a jamais de trop. Parle à Thibaut. Bon. Du coup, avec Spyro, à mon avis, on pourra rien faire. On pourra rien lâcher. Par contre, avec les autres, on devrait pouvoir acheter des améliorations. Je vais vérifier, mais Spyro, c'est une sûr que non. Oula. Voilà, vous voyez, du coup, on l'a obtenu. On l'a obtenu, donc. Spyro, enfin Dark Spyro, c'est bien c'est Spyro. Ok, avec Inhibitor, on peut faire quoi? Eh, mais on devrait pouvoir t'acheter ton ultime. Eh oui. Parfait. Ça te réduit tes dégâts. Parfait, comme ça t'as un bouclier. Parfait. Et chop chop. Petit morceau. Ah, t'avais pas... T'as pas ton ultime? Ah, ok. On fait quoi? On attend pour son ultime? En vrai, non. On va prendre ça, tant pis. Et bref, combien? 1300. Ok. Bon, les amis, j'espère en tout cas, franchement, que cet épisode de Skylander Spyro Adventure vous aura plu. On va aller voir notre ami T-Bone. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo avec des amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci vraiment à tous ceux qui le font. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite. Merci à tous. N'oubliez pas le petit like, petit commentaire, ça ferait vraiment toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci pour ceux qui le font. C'était Para. Salut tout le monde. Ciao ciao. Bye bye tout le monde.